Voulez-vous jouer à ni oui ni non? Mais non! Perdu. Passe-moi le monsieur ou je raccroche, c'est bon. Bah après, allez! C'est Coé, jusqu'à 20h sur Énergie. C'est parti pour les Télétobés. Allez hop, on y va. Je suis Thierry Avignas de la téléphonie, quoi? Française. J'ai ton clavier? Oui, j'ai mon clavier. Bah, allemande. Un clavier. Bon, déjà ça répond pas, donc. Allô? Oui. Oui, bonsoir, allô, monsieur. Allô. Bonsoir, monsieur. Thierry Lavignas, s'il veut. Je suis Thierry Lavignas de la téléphonie française. Oui. Alors, je me permets de vous appeler. Je vous dérange, monsieur? Non, mais je vous connais pas. En plus, numéro anonyme, donc ça me rassure pas. Vous êtes... Alors, c'est effectivement un numéro anonyme, mais je vous ai dit qui j'étais, monsieur. Je suis là pour vous informer de la suppression du téléphone fixe dans les mois qui viennent, 1er janvier 2021. Bah, c'est... On vient de me le mettre gratuit avec la nouvelle boîte internet, donc on peut pas me l'enlever maintenant. Alors, je vous explique, ce n'est pas qu'on va vous l'enlever, monsieur. C'est que les lignes fixes vont être supprimées. Bah oui, mais vous venez de me donner le numéro, c'est pas moi, monsieur. Téléphone gratuit. Ah, c'est pas moi, monsieur. Si vous avez fait installer ça par un opérateur, nous, ça ne nous concerne pas. Nous sommes là pour vous parler de la résiliation de tout le réseau filaire, monsieur. Et donc, vous pourrez plus utiliser mon téléphone gratuit, alors? Alors, je ne sais pas quelle offre vous avez eue avec votre téléphone gratuit, mais à partir du 1er janvier 2021, non, monsieur. Et je fais comment alors si je peux plus téléphoner? Alors, le téléphone, vous avez un portable à côté? Non, enfin, un vieux coucou, mais je préfère le fixe. Alors oui, je sais bien, monsieur, mais l'avantage du téléphone portable, le téléphone portable a des avantages aussi, monsieur. Vous pouvez l'emmener partout, alors que le téléphone fixe... Ça coûte cher, tandis que là, ils viennent me mettre le gratuit, téléphone gratuit. Gratuit, j'ai compris. Gratuit. Ah oui, c'est gratuit. Mais attendez, je vais quand même vérifier, voir s'il n'y a pas de... Bon. 1er janvier. En revanche, monsieur, je suis ravi de vous dire que j'ai une offre gratuite. J'ai une offre qui va vous permettre, monsieur. Gratuit, voilà. Qui va vous permettre maintenant d'avoir des options sur votre téléphone, notamment de faire des selfies. Alors, je suis en train de vous l'activer. Oui, mais si vous me l'enlevez en janvier, ça sert à rien. Oui, mais c'est pour te dire jusque-là, monsieur. C'est une offre gratuite et promotionnelle. Vous pouvez faire des selfies maintenant avec votre téléphone. Des selfies. Voilà. C'est-à-dire, ça, il va falloir vous habituer, monsieur. Beaucoup de gens font ça avec les téléphones portables. C'est-à-dire, vous pouvez prendre le téléphone devant vous et en appuyant sur la touche 5, prendre une photo de vous. Avec mon téléphone fixe comme Oui, ils ont été upgradés à l'usine, mais ça c'est très compliqué, c'était un pré-équipement. Donc maintenant ça fonctionne. C'est pour le réseau coréen. Mais c'est gratuit, comme gratuit, l'usine. Monsieur, gratuit. Alors on va faire un essai, monsieur, on va pas y passer la nuit. Donc je vous laisse tendre le bras. En même temps, comment c'est vous qui m'appelez. Oui, non, mais je sais bien, mais bon. Alors. Ce que vous me dites. Hein. Mais c'est gratuit, monsieur, hein, c'est ça qu'il faut se dire. Donc tendez le bras. C'est gratuit, ok. Tendez le bras, vous m'entendez toujours? Parlez plus fort. Alors là, vous m'entendez, monsieur? Oui. Tendez le bras et quand c'est quasiment devant vous, vous pensez être dans le cadre, souriez, touche 5. Je souris et j'appuie 5. Oui. Alors la photo vient d'arriver, monsieur, mais j'ai le haut du bas. Je... Oui. Mais les photos, le tirage, ça va être... Non, c'est pas un tirage. J'ai le haut du crâne, monsieur. Il faudrait redescendre un tout petit peu. Et ensuite, vous allez pouvoir... Comment ? Les photos seront gratuites. Oui, vous êtes très... Tout est gratuit, monsieur. C'est cadeau. Donc, alors, ce qu'on se fait, monsieur, vous refaites la photo et ensuite, je vous dis à quelqu'un à qui vous pouvez l'envoyer. Allez-y. D'accord. Quand vous êtes... Bon, ça ressemble à rien. Bon, alors maintenant, vous pouvez l'envoyer. Elle est où, la photo, là ? Elle est là, mais elle va repartir. Donc, vous pouvez l'envoyer à quelqu'un. Il vous suffit, lorsque vous entendez le bip, de l'envoyer. Il y a quelqu'un qui voudrait envoyer cette photo, monsieur ? Oui, à ma compagne, oui. Voilà, donc dès que vous entendez le bip, vous donnez le nom de votre compagne. Je ne sais pas comment vous l'appelez dans votre... il n'a pas de... Dans votre répertoire, papier ou gratuit. À Lolo, attention, attends, dès que faudra bien le dire, monsieur. À Lolo. Attendez, je vais parfois attendre, monsieur. Lolo. Il faut le dire plus fort, monsieur, c'est pas très efficace, là. Lolo. C'est gratuit, monsieur, n'ayez pas peur. Oui. Attendez, allez-y. Vous faites confiance. Oui, bien sûr, vous pouvez, je suis en train de calibrer, là. Allez-y. Lolo. Alors, je calibre pour que ce soit dit plus fort parce que là on a entendu Bobo. Allez-y. Lolo.
Ah, vous avez fait sur le bip, monsieur. Faut attendre un petit peu. Lolo. Voilà, là c'est parti, monsieur. Voilà. Donc c'est parti. Donc votre charmante compagne va recevoir la photo. Un beau cadeau. D'accord. Voilà. Autre chose, d'autres questions? Non, bah si vous avez. C'est gratuit, monsieur, bien sûr. C'est gratuit. D'accord. Je me permets de répondre avant que vous posiez la question. C'est non, gratuit. Tenez, sûr. Puisque vous avez l'air très sympathique, oui. Cher Maurice, je oui. me permets de vous rajouter un assistant personnel digital. C'est-à-dire que maintenant, vous pourrez lui parler. Et voilà. Et vous pourrez demander, commander. Vous pourrez. Vous pourrez commander. Demander la météo, demander des pizzas. Vous pourrez tout ce que vous avez envie de faire. C'est un assistant particulier. C'est quoi ça? Alors par exemple, il vous suffit de dire dis Siri et ensuite ça part directement. Hein. Et c'est qui Siri? C'est un assistant personnel. C'est digital, monsieur. C'est une machine. Hein? C'est une machine. Une machine. Machine, monsieur. Hein? Allez-y, je vous laisse avec la machine. Je vous laisse. Vous commencez par dis Siri, puis ensuite vous pouvez demander ce que vous voulez, la météo par exemple, une commande d'une pizza, ce que vous voulez. Dis Siri. Bonjour, je vais bien, merci. Et vous? Bonjour madame. Oui. Oui, bonjour, oui. Comment? Et je fais quoi avec vous? As-tu des aliments dans la bouche? Je ne comprends rien. Non, c'est... J'ai la bouche vide, non. Mais qui êtes-vous? Je suis Maurice. Quoi? Je suis Maurice. Vous manque-t-il des dents? Non. Non. Et le monsieur m'a dit que je pouvais commander une pizza, c'est vrai? Oui. Gratuit? Non. Ah, et on fait comment pour une pizza? Voulez-vous jouer à ni oui ni non? Non. Perdu. Ah bah... Je veux une pizza. Vous voulez rejouer? Hein? Voulez-vous jouer à ni oui ni non? Allez. Vous voulez rejouer? Vas-y. Vous voulez rejouer? Non, mais là, tu perdu. Mec, ok, d'accord. On peut revoir le monsieur, là? Le monsieur du télécom... Allô? Oui. Non, repassez-moi le monsieur. Le monsieur. Comment? Je veux le monsieur. Voulez-vous jouer à ni oui ni non? Mais non! Perdu. Repasse-moi le monsieur ou je raccroche, c'est bon. Bah après, allez! Vous êtes sûr? Oui, je suis sûr, oui. Perdu. Hein? Sinon, ça va? Oui, ça va. Passez-moi le monsieur. Vous êtes très nul à ce jeu, pour la peine, j'efface tous vos contacts. Hein? Je comprends pas, là. Passez-moi le monsieur. Très bien, je vous commande une pizza 4 fromages suppléments, moutarde et poulet. Mais t'es vraiment une connasse, tu comprends pas le français, je demande le monsieur. C'est celui qui dit qui y est. Ouais, bah moi ça va, moi je suis un mec, mais toi... Trou de balle. Bah tu t'es vu? T'as vu le tien? Oui. Bon, passez-moi le monsieur là, madame... Voulez-vous jouer à ni oui ni non? Je veux le monsieur. Vous voulez rejouer? Mais je vais jouer avec ta gueule, mais tu vas me repasser le monsieur et puis ferme-la, bordel. Vous voulez rejouer? Je veux le monsieur. Voulez-vous jouer à ni oui ni non? Je vais finir par raccrocher, mais passez-moi le monsieur là, que je comprenne ce qui se passe avec les téléphones. Vous êtes sûr? Oui, je veux perdu. Le monsieur. Oh, et ta gueule avec ton ni oui ni non, là tu me saoules. Calmez-vous. Ah mais je suis calme, mais si je monte dans les tours, ça va mal se passer. Allez, casse-toi. Voilà monsieur, donc tout est calibré monsieur, ça s'est bien passé? Non, pas du tout, mais bon, c'est... Ah, on me dit qu'une pizza va être livrée monsieur, vous avez commandé une pizza? Ouais, non, du tout, allez, c'est pas la peine, c'est... Alors, ce sera facturé tout ça, 60 euros monsieur sur votre compte. Oui, bien sûr, on avait dit que c'était gratuit. Allez, ah non On m'avait dit que c'est... J'ai rien compris à ce qu'elle dit et de toute façon, je vois pas pourquoi... J'ai dit que c'était gratuit? Oui. Perdu.